Et ce matin, nous regardons The Sermon, Lifting Him Up Out of History, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, October 1st, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Le faire sortir de l'histoire » a été prêché par frère William Marion Branham le mercredi soir 1er octobre 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Thank you, Brother. Good evening, friends. It's indeed a great privilege to be here at the Tabernacle tonight to start again a five-night series of meetings. It's been some time since I had a revival here at the Tabernacle. Merci, Frère Neville. Bonsoir, mes amis. C'est vraiment un grand privilège d'être ici au Tabernacle ce soir pour commencer une nouvelle série de réunions de 5 soirées. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas tenu de réunion de réveil ici au Tabernacle. We never announced it in the papers or anything, just so we knew we wouldn't have enough room to seat the people because it's small and our seating's very poorly. But we'll do just all we can to accommodate. Nous n'avons jamais annoncé ça dans les journaux et tout, simplement parce que nous savions que nous n'aurions pas assez d'espace pour faire asseoir les gens, parce que la salle est petite et nous n'avons vraiment pas beaucoup de place assise. Mais nous ferons tout notre possible pour accueillir les gens. We were going to get the high school gym here and we could advertise it, but it's in time of school now and it's kind of hard to get a hold of. On voulait obtenir le gymnase de l'école secondaire ici avant de l'annoncer, mais là, c'est la période des classes maintenant et c'est plutôt difficile de l'obtenir. We'll be leaving pretty soon, I suppose, for my missions and so forth across the seas. And I just wanted to come together to have a little fellowship with all the folks before we went over again. Et je partirai bientôt, je pense, pour accomplir mon œuvre missionnaire et tout à l'étranger. J'ai simplement voulu qu'on se rassemble tous pour avoir un peu de communion fraternelle avant d'y aller de nouveau. You know, we meet time after time, and one time we're going to meet for the last time. Amen. So we want to keep right up as close as we can with the Lord and with His Word, and as we see His Word unveiling itself day by day, day by day. I thought it would be nice if we had a little meeting here, and then we would pray for the sick. Vous savez, nous nous réunissons régulièrement, mais un jour, nous nous réunirons pour la dernière fois. Nous voulons donc rester le plus près possible du Seigneur et de sa parole, alors que nous voyons sa parole se dévoiler jour après jour, jour après jour. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir ici une petite série de réunions au cours de laquelle on prierait pour les malades. And it's been told me some time ago by a vision that the Lord gave me some year ago, I suppose, or maybe a little more. I have it wrote out in a book at home of a changing of a ministry. Une chose m'a été annoncée il y a quelque temps par une vision que le Seigneur m'a donnée, il y a un an, je pense, ou peut-être un peu plus. J'ai cela à la maison. C'est noté dans un calepin, un changement de ministère. And many of you people sitting here, I wouldn't say many, but remember, when we first built this tabernacle, you remember the vision that come the morning we laid the cornerstone there, when he said, this is not your tabernacle. But he set me under the skies and said, told me that different things would take place. Et beaucoup d'entre vous qui êtes assis ici, je ne dirai pas beaucoup, mais souvenez-vous au début, quand nous avons construit ce tabernacle, vous vous souvenez de la vision qui est venue le matin où nous avons posé la pierre angulaire ici, où il a dit « Ceci n'est pas ton tabernacle ». Mais il m'a placé sous les cieux et a dit «
Il m'a parlé de différentes choses qui arriveraient. If you know you watched that come to pass just exactly as it was told, see. And it always has been that way. So therefore, I rest assuredly that what he says, it's God and it has to be true. Si vous le savez, si vous regardez bien, c'est arrivé exactement comme cela avait été dit, voyez, et il en a toujours été ainsi. Ainsi donc, je me repose avec assurance sur ce qu'il dit. C'est Dieu, et c'est forcément vrai. And then, some time ago, I was in a vision and I saw a large tent. Oh, it was a mammoth big affair. And I'd just been speaking and many souls were at the altar and were just kind of weeping with their hands up quietly and softly. A nice, gentle-spoken man came out to the platform and said, now they will form the prayer line while Brother Branham is making ready. Et il y a quelque temps, j'étais dans une vision et j'ai vu une grande tente. Oh, elle était immense, gigantesque. Je venais juste de finir de prêcher et beaucoup d'âmes étaient à l'autel, à pleurer en quelque sorte, tout doucement, silencieusement, les mains levées. Un homme sympathique, à la voix douce et posée, est monté sur l'estrade et a dit « Il faut former la ligne de prière maintenant, tandis que frère Branham se prépare. » I was standing that way, of course, the prayer line would bend to my left. And I noticed a crowd of people that seemed to cover a city block or more that was standing in line. There was a little building, wooden building, inside of this tent. Je me tenais par là, et naturellement, la ligne de prière était à ma gauche. Et j'ai vu une foule de gens qui faisaient la queue sur une distance d'environ un pâté de maison ou plus. Il y avait un petit abri, un abri en bois, à l'intérieur de cette tente. And there was a woman standing there, a man one taking names, and people were going in on crutches and stretchers and coming out the other side walking. Well, I wondered what all taking place in there. Et il y avait une femme qui se tenait là, un homme, celui qui prenait les noms, et les gens entraient appuyés sur des béquilles, couchés sur des civières, et ils ressortaient de l'autre côté en marchant. Eh bien, je me demandais ce qui se passait là-dedans. And then that angel of the Lord, whose picture you see here, it went from me and went right over that little building and stood there, then went down and a voice spoke and said, I'll meet you in that place. Well, now, I've looked forward for that time. Et cet ange du Seigneur, dont vous voyez la photo ici, il m'a quitté, est allé au-dessus de ce petit abri et est resté là. Puis il est descendu. Et une voix a parlé et a dit, « Je te rencontrerai là-bas. » Eh bien, maintenant, j'attends ce moment-là. I've been off some time now, resting because of overwork. Come back in the last weekend, we had a little kind of a church doctrine for three nights here. J'étais en congé depuis quelque temps pour me reposer à cause du surmenage. Je suis de retour. Et ici, le week-end dernier, trois soirs de suite, nous avons en quelque sorte abordé des petits points de doctrine de cette Église. That's last Saturday night, Sunday morning and Sunday night, prior to this meeting, kind of get the church shook in condition so we could go ahead with this meeting coming on now. And then immediately after this, Sunday night will be my farewell night to the tabernacle for some time, as far as I know. C'est-à-dire samedi soir, dimanche matin et dimanche soir dernier, avant cette série de réunions. C'était en quelque sorte pour secouer l'Église et la préparer, afin de pouvoir aller de l'avant avec cette série de réunions qui commence maintenant. Et immédiatement après ceci, dimanche soir sera ma soirée d'adieu au tabernacle, pour autant que je sache. Je serai absent pendant un certain temps. Now, and I'm hoping and trusting to God that sometime during this week that I want to use this little room over here for a prayer room. And to take the sick and afflicted in and see if he will meet me and start at the tabernacle again on the new ministry. I would sure love to see it done.
Et maintenant, j'espère et je mets ma confiance en Dieu pour que dans le courant de cette semaine, je puisse utiliser cette petite salle ici comme salle de prière, pour y faire entrer les malades et les affligés, et voir s'il va me rencontrer pour une fois de plus commencer ce nouveau ministère au tabernacle. J'aimerais vraiment voir cela s'accomplir. I do not know what it is, my friends. I do not have any idea what it will be. But he who listens now, I trust that it'll be something more to help his poor, sick, suffering children of this day. Je ne sais pas ce que c'est, mes amis. Je n'ai aucune idée de ce que ce sera. Mais à lui qui écoute maintenant, je crois qu'en ce jour, ce sera quelque chose de plus pour aider ces pauvres enfants qui sont malades et qui souffrent. I promise him that I'll be faithful and loyal and try to be more loyal than I was with the other gifts that he has given. And if it shall come to pass, it'll be just as real as the others has been. Je lui promets d'être fidèle et loyal, et d'essayer d'être plus loyal que je l'ai été avec les autres dons qu'il m'a donnés. Et si ça s'accomplit, ça sera tout aussi réel que les autres. Now the other gifts are still just as firm as they were. See? But I'm looking forward for something new to happen now. And I hope it takes place here. Now I thought maybe tonight we would speak and see how I felt. Bon, les autres dons n'ont en rien perdu de leur efficacité, voyez. Mais à présent, j'attends que quelque chose de nouveau se produise, et j'espère que ce sera ici. Eh bien, je me suis dit que je parlerai peut-être ce soir pour voir comment je me sens. And another thing I wanted to do, I wanted to try to find out when we go in the first time if I could send my wife in there and let her be with me when it comes down the first time to see if it'll be that way. If not, then in bringing women through, we'll bring them two at a time, two women at a time coming through. Et une autre chose que je voulais faire, quand on y entrerait pour la première fois, c'est que je voulais voir si je pouvais faire venir ma femme là-dedans, pour qu'elle soit avec moi quand ça descendra pour la première fois, afin de voir si ça se passera ainsi. Sinon, quand on fera passer les femmes, il faudra les faire passer deux à deux. On fera entrer deux femmes à la fois. So I'm not saying it'll work either way, so that you would know, because it's already been said that we were looking for something new to take place, and we are. Bon, je ne dis pas que ça va fonctionner dans un sens ou dans l'autre. C'est simplement pour que vous le sachiez. Parce qu'il avait déjà été annoncé qu'on attendait qu'il se produise quelque chose de nouveau, et nous y sommes. But I don't say that he told me it would take place where I seen in the vision was in a tent. But of course, it might take place anywhere, anytime. But we're looking forward to it. Mais là, je ne dis pas qu'il m'a dit que ça se produira. Dans la vision, j'ai vu que c'était dans une tente. Mais évidemment, ça pourrait se produire n'importe où, n'importe quand. Nous attendons donc cela. Now we're going to try to let you out early, the song service a half hour, and the preaching service and the altar service and so forth about 1 hour, which will make an hour and a half, so that the people standing won't be cramped up and come back tomorrow night. Eh bien, nous allons essayer de vous laisser sortir de bonne heure. Le service de chant prendra une demi-heure, puis le service de prédication, l'appel à l'autel et tout. Prendra environ une heure, ce qui fera en tout une heure et demie, de sorte que ceux qui sont debout n'aient pas mal aux jambes, et nous reviendrons demain soir. Now, just before we open this blessed old word, and we'll assure you we'll never snap, because that's the foundation. And before we do, let us just bow our heads a moment for a word of prayer. Bon, juste avant d'ouvrir cette bonne vieille parole bénie, soyez assurés que nous ne dirons jamais rien en dehors de ce qui s'y trouve, parce que c'est elle qui est le fondement. Et avant de le faire, courbons simplement la tête un instant pour un mot de prière. Dear God, as we stand tonight in thy presence and realizing our
frail frame, that we're just the dust of the earth. Thou hast brought us forth as living beings to honor and glorify Thee. And we realize that our lives and our destination lays in Your blessed hands. Dieu bien-aimé, ce soir, alors que nous nous tenons dans Ta présence, nous sommes conscients de la fragilité de notre être et de ce que nous ne sommes que la poussière de la terre. Tu as fait de nous des êtres vivants pour t'honorer et te glorifier. Et nous sommes conscients que nos vies et notre destinée sont entre tes mains bénies. And we have committed ourselves by faith into your hands, hoping that our eternal destination will be given to us to live with Thee forever in a better world, where we will never have prayer for the sick and the needy. Par la foi, nous nous remettons entre tes mains, espérant qu'il nous sera accordé la destinée éternelle de vivre éternellement avec toi dans un monde meilleur, où nous n'aurons jamais à prier pour les malades et les nécessiteux. There will never be a tear fall from a cheek. There will never be a feeble, wrinkled person ever come up. But we'll be young there forever, and the glory of God will be upon us. And we'll need no healing, for we'll be eternally healed forever. Où il ne tombera jamais une larme d'une joue, où il n'y aura jamais de personnes faibles et ridées là-bas. Mais là-bas, nous serons éternellement jeunes, et la gloire de Dieu sera sur nous. Nous n'aurons pas besoin de guérison, car nous aurons été guéris pour l'éternité, pour toujours. When this creature that we now are will be changed and made into a body like His own glorious body, then we shall see Him as He is. Until that blessed hour arrives for each of us to come, we wish to put forth every effort that we know how to glorify Thy great name with such faith as Thou hast given us. Quand cette créature que nous sommes maintenant sera changée et transformée en un corps semblable à son corps glorieux, alors nous le verrons tel qu'il est. En attendant que cette heure bénie arrive pour chacun de nous, notre désir, c'est de déployer tous les efforts possibles pour glorifier ton grand nom avec la foi que tu nous as donnée. So on the eve of this little gathering together here in this little memorial place, in commemorations of the first revival we held here, and the great mighty works that Thou didst show us by Thy great powerful hand. C'est la veille de ce petit rassemblement ici, dans ce petit lieu commémoratif, où nous gardons le souvenir du premier réveil que nous avons tenu ici, et de ces grandes œuvres puissantes que Tu as accomplies pour nous par Ta grande et puissante main. From here is swept forth a revival to every nation, and around the world tonight revival fires are burning on the hills, and men and women are being healed of their sickness and diseases and are coming to be acquainted with the true and living God. O Lord God, pour out Your Spirit upon us tonight, Lord. Great measures. Un réveil est parti d'ici et il s'est répandu dans chaque nation. Et ce soir, partout dans le monde, des feux de réveil brûlent sur les collines. Des hommes et des femmes guérissent de leurs maladies et de leurs infirmités. Et ils s'avancent pour connaître le Dieu vivant et vrai. Ô Seigneur Dieu, répands sur nous ce soir une abondante mesure de ton esprit, Seigneur. And if it so pleases thee, Lord,
If it's in thy divine program, we would ask, O God, that in this building you would start this new gift to operating. Amen. That these ones who has stayed behind from the fields and has been the prayer warriors, they might see for the first time the great hand of Jehovah moving in this new way. Hallelujah. Grant it, Lord, and be partakers of the fruits. Et si cela t'est agréable, Seigneur, si c'est de ton plan divin, nous te demandons, ô Dieu, de bien vouloir commencer à manifester ce nouveau don dans ce bâtiment, afin que ceux qui sont restés ici, loin du champ de mission, et qui ont été les soldats de la prière, puissent voir la grande main de Jéhovah agir pour la première fois dans cette nouvelle phase. Accorde le Seigneur, et qu'ils aient part aux fruits. We only ask humbly that it shall be granted here, yes. Knowing that it will be somewhere, because we feel that it's in your great province to do so. Nous demandons très humblement que cela soit accordé ici, puisque nous savons que ça s'accomplira quelque part, car nous avons le sentiment que c'est dans ton grand plan de le faire. Now bless us, Lord, as we turn back the pages of the book, your blessed holy word. May our spirits be open to receive it, Lord. And when the services is closed tonight, and we start to our different homes, may we say like those coming from Emmaus, did not our hearts burn within us tonight as he talked to us along the way? For we ask it in his name and for his glory. Amen. Maintenant, Seigneur, bénis-nous alors que nous tournons les pages du livre, ta sainte parole bénie. Puissent nos esprits s'ouvrir pour la recevoir, Seigneur. Et quand les services de ce soir seront terminés et que nous nous mettrons en route pour retourner dans nos différentes maisons, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ce soir, alors qu'il nous parlait en chemin? Car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Tonight I have chosen for just the scripture reading a few verses, if you wish to turn to it, to the book of Kings, 1 Kings, and the 18th chapter of 1 Kings. And I want to start reading from the 17th verse. Ce soir, j'ai choisi comme lecture de l'Écriture quelques versets. Si vous voulez les prendre, c'est dans le livre des Rois, dans 1 Roi, chapitre 18. Je veux commencer à lire à partir du verset 17. And I wish to take then for a text, lifting him up out of history. Now, you that's putting it down, I might quote it again, lifting him up out of history. Et là, j'aimerais prendre comme sujet le faire sortir de l'histoire. Maintenant, pour vous qui prenez des notes, je vais répéter ça. Le faire sortir de l'histoire. Now the 17th verse of the 18th chapter of 1 Kings. Maintenant, 1 Roi, chapitre 18, verset 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and that thou hast followed Balaam. À peine Achab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals.
Now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baalim 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. So Ahab sent unto all the children of Israel, and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes des Baals, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. We are standing tonight upon the brim and watching come to pass and unfold two great scenes. And those two great scenes are these. One of them is the ending of history. And the other one is the ending of time. And many great men down through the ages has longed to see this hour that we're now approaching. Nous nous trouvons ce soir au bord de deux grands événements dont nous observons l'accomplissement et le déroulement. Et ces deux grands événements sont les suivants. L'un est la fin de l'histoire et l'autre est la fin du temps. Et au fil des âges, beaucoup de grands hommes ont ardemment désiré voir cette heure dont nous nous approchons maintenant. And as we live in this glorious setting of mortal sun and the breaking of the eternal light, I do feel that we're living in one of the grandest ages that ever man has been permitted to live. Because it's a closing out of time and the blending in of eternity. Et comme nous vivons au milieu de ce glorieux coucher du soleil mortel et à l'aube de la lumière éternelle, j'estime que nous vivons effectivement dans l'un des âges les plus glorieux qui ait jamais été donné à l'homme de vivre, parce que le temps arrive à sa fin et que l'éternité est en train d'y succéder. History only tells us what we have read, what has been, and what's in the future lays in the hand of God. And we find out today that there's not too much history being written. Because I don't think it'll ever be used. L'histoire nous rapporte seulement ce que nous avons lu, ce qui est déjà arrivé. Et l'avenir, lui, est dans la main de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons qu'on n'écrit pas beaucoup au sujet des faits historiques, parce que je ne pense pas qu'on s'en servira. Both of these great events are running into shallow water. For instance, how we're running out the national crises and the national security is running into shallow water. Ces deux grands événements se retrouvent maintenant dans des eaux peu profondes. Par exemple, la façon dont nous gérons la crise nationale. La sécurité nationale se retrouve maintenant dans des eaux peu profondes. Traveling around over the world, it seems like
not only our nation, but there is no nation knows just what to do. Seems like there is a turmoil everywhere. Je voyage à travers le monde. Il semble que notre pays n'est pas un cas isolé. Mais aucun pays ne sait vraiment quoi faire. On dirait que la confusion règne partout. I go into Africa. They're all afraid of an uprise among the people and communism sweeping the land. I go into Switzerland the same way. And all the other nations in which I have visited, they seem to be that there is an unsettled peace everywhere. Je vais en Afrique. Là-bas, on redoute des soulèvements au sein de la population. Et le communisme se répand dans le pays. Je vais en Suisse, c'est pareil. Et dans tous les autres pays que j'ai visités, il semble que la paix est instable partout. Now you know our Lord predicted such a time to come. There be unrest among the nations, perplexed of time, distress between the nations. Or, vous savez que notre Seigneur a prédit qu'un tel temps viendrait. Qu'il y aurait de l'agitation chez les nations, un temps où on ne saurait que faire, de l'angoisse chez les nations. And we have tried everything that's seemingly humanly possible to make it last just a little longer. But I believe that we're just running out. I don't believe that there's anything else that we can do about it. We're just at the end of it. Et nous avons essayé tout ce qui nous semblait humainement possible pour faire que cela dure un peu plus longtemps. Mais moi, je crois qu'il n'y a plus de temps. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose qu'on puisse faire à ce sujet. Nous sommes simplement à la fin de tout cela. We tried for a while on having kings and they wouldn't work. Then they tried democracy, it doesn't work. And they've tried dictators, and it doesn't work. And each one seems to get just a little bit shallower each time. Pendant un moment, on a essayé d'avoir des rois. Ça n'a pas marché. Puis, on a essayé la démocratie. Ça ne marche pas. Et on a essayé, ils ont essayé les dictateurs. Ça ne marche pas. Et dans chacun des cas, on dirait que ça se dégrade un peu plus chaque fois. Now we stand at the great moment when anything could happen. It could be over in 5 minutes' time. That every nation would be laid to powder. And if we're at that time, where ought the church to be? A great crisis. Nous sommes maintenant à un moment crucial où tout peut arriver. Dans 5 minutes, tout pourrait se terminer. Tous les pays pourraient être réduits en poussière. Et si nous en sommes là, où devrait-on être l'Église? C'est une grande période de crise. Then also we have a home life crisis. It seems like that home life is running out into shallow water. It used to be in a home that father, the head of the house, would sit down of a morning and he would speak with his family and they would all take out the old family Bible and read just a little bit and all gather around the table and have prayer. You don't see that no more. Et aussi, la vie de famille est en crise. On dirait que la vie de famille se retrouve maintenant dans des eaux peu profondes. Autrefois, dans le foyer, le père, le chef de famille, s'asseyait le matin et parlait à sa famille. Et ensemble, on prenait la bonne vieille Bible de famille et on la lisait un peu. Et tous se rassemblaient autour de la table et priaient. On ne voit plus ça. And when the day was done,
And Ma had the dishes washed, they'd all gather in and read some more of the Bible and pray before going to bed. Et à la fin de la journée, après que maman avait fait la vaisselle, tout se rassemblait alors à l'intérieur pour lire un peu plus de la Bible et prier avant d'aller au lit. Juvenile delinquency certainly was a hard thing to find in them days. The boys all went to the fields to work and the girls helped mom with her washing down the creek. C'était vraiment rare de voir la délinquance juvénile à cette époque-là. Tous les garçons allaient travailler dans les champs et les filles aidaient maman à faire la lessive au ruisseau. But today we just push a little button and the dishes are all done and Ma's in the car and gone to the card party or out ratting around over the streets and the work's done by a tractor and we just don't have nothing but just a bunch of lazy, idle people. Mais aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et la vaisselle est faite. Maman saute dans une voiture et s'en va à une partie de cartes où déambule les rues. Et le travail est fait par un tracteur. Et tout ce que nous avons, c'est une bande de paresseux, de fainéants. And home life is so neglected till the Bible is laid back till they'd have to hunt for an hour to find one in many homes in America. They go to church on Sunday morning for the religion for about 20 minutes and if the pastor takes about 30 minutes he's called on the board. What is it? Home life is running out. Et la vie de famille est tant négligée que la Bible est mise au rencard. C'est au point qu'on serait obligé de fouiller pendant une heure pour en trouver une, dans de nombreux foyers en Amérique. Pour pratiquer sa religion, on va à l'église le dimanche matin pour environ 20 minutes. Et si le pasteur prend environ 30 minutes, il est convoqué au conseil. Qu'est-ce? Il n'y a plus de vie de famille. It used to be that father and mother loved and honored and cherished one another. When she was old and gray and wrinkled up, and her poor old face all drawn up and her glasses hanging down over her nose, Pop loved her just as well as he did when she was young and pretty. Autrefois, le père et la mère s'aimaient, s'honoraient et se chérissaient mutuellement. Et quand elle était vieille, grisonnante et ridée, et que son pauvre vieux visage se déformait, et que ses lunettes pendaient sur son nez, papa l'aimait autant que quand elle était jeune et jolie. But today I don't mean to be critical, but when she gets a little old, he just swaps her for a new model. It seems to be that way, like swapping cars or something. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de critiquer, mais quand elle prend un peu de l'âge, il l'échange tout simplement contre un nouveau modèle. On dirait que c'est la tendance, comme on change de voiture et tout. Seems like that real family love don't exist much more. Just something has happened. Home life is running out. We don't have the old American home as we used to have it long years ago. On dirait que ce véritable amour familial n'existe plus tant que ça. Il s'est passé quelque chose. Il n'y a plus de vie de famille. On n'a plus le bon vieux foyer américain qu'on avait il y a bien des années. There's another thing that I would like to say. That is another thing running out is friendship is running out. It don't seem like that we have the friends that we used to have. And the friends that we have are not loyal friends like used to be. Il y a une autre chose que je voudrais mentionner. C'est une autre chose qui est en train de disparaître. L'amitié. Il n'y a plus d'amitié. On dirait qu'il n'existe plus d'amis comme auparavant. Et les amis que nous avons
ne sont plus des amis fidèles comme auparavant. It used to be, I can remember when someone got sick in the neighborhood that everybody come around and they helped them with all their work and landed a hand to anything could be done. Je me souviens qu'autrefois, quand quelqu'un tombait malade dans le voisinage, tout le monde venait l'assister dans ses travaux et lui donnait un coup de main pour tout ce qui pouvait être fait. Set up with them all night at a time. As I've often said, it's truth that we hardly know the neighbor's dead until we see it in the paper. Friendship. Parfois, on passait toute la nuit avec lui. Comme je l'ai souvent dit, et c'est vrai, on ne sait même pas que le voisin est mort, jusqu'à ce qu'on le découvre dans le journal. L'amitié. Papa has a key to the house and Mama has a key. And they're both out and gone half the night, and the children, they don't know where they are, and the little ones are with the babysitter. And that's the way life is lived. Papa a une clé de la maison. Maman a la sienne. Ils sortent tous deux pour revenir au milieu de la nuit. Les enfants ne savent pas où ils sont. Les plus petits sont avec la babysitter. Et c'est comme ça que les gens mènent leur vie. Do you know the Bible predicts all these things? So what is it then? It's that we're standing in a position watching these things run out. Savez-vous que la Bible a prédit toutes ces choses? Donc, qu'est-ce que c'est alors? C'est que nous sommes dans une position où nous voyons ces choses arriver au bout. Let's take church life. There is where it all began. Church life is running out. The people just take the church today almost for an idol. Like a totem pole. Go sit in church 5 minutes and I've done my religion. Prenons la vie de l'Église. C'est là que tout a commencé. Il n'y a plus de vie d'Église. Aujourd'hui, les gens prennent l'Église presque comme une idole, comme un mât totémique. On s'assoit à l'église pendant 5 minutes et on dit « J'ai pratiqué ma religion. » Pay in your little contribution, whatever it is, to pay the pastor. And they don't make that up. They have a little supper and make it up to the pastor. And if he ain't satisfied, he hauls off to somewhere that'll give him a better wage. On donne sa petite contribution, ou que sais-je encore, pour payer le pasteur. Si ça ne suffit pas, on organise un petit souper pour compléter le tout et donner au pasteur. Et s'il n'est pas satisfait, il s'en va ou on lui donnera un meilleur salaire. Seems like the pastor is not divinely called anymore. Just seems like it's begin to be a meal ticket to the pastor. That the people, wherever offers him the most money, there he goes. It shouldn't be that way. On dirait que ce n'est plus par un appel divin qu'on devient pasteur. On dirait que Satan a devenir un simple gagne-pain pour le pasteur. Que là où on lui offre le plus d'argent, c'est là qu'il va. Ça ne devrait pas être comme ça. It should be that a man was called of God to a community. And if he had to lay there like Elijah did on top of the mountain at the brook Cedrith and expect the crows to feed him, he ought to stay till his divine mission is fulfilled. No matter if he gets a penny or not, it should be the call of God first. Il faudrait qu'un homme soit appelé de Dieu pour une communauté. Et s'il faut qu'il reste là, comme Élie au sommet de la montagne, près du torrent de Kérit, et attendent que les corbeaux le nourrissent. Il devrait y rester jusqu'à ce que sa mission divine se termine. Peu importe qu'il gagne un sou ou pas, l'appel de Dieu devrait passer en premier. But it's seemingly it's changed to the call of money, or a bigger position, and something on that order. Or to become a more popular person in a bigger church or something like that. Mais on dirait que c'est devenu l'appel pour de l'argent
ou pour un poste plus important, quelque chose comme ça, ou pour devenir une personne plus populaire, faire partie d'une plus grande église, ou quelque chose comme ça. And then the church in their, they have let down. They begin to run out. Just watch it unfold. Et l'église, à son tour, a jeté l'éponge. Tout ça arrive au bout. Regardez-la suivre son cours. Now I'm yet under 50 years old, and I can remember of going to the Baptist church and the Methodist churches and watching them in an old-fashioned revival when they would shout and praise the Lord and walk up and down the aisles and persuade sinners to the altar. You never see that nowhere no more. Bon, je n'ai pas encore 50 ans. Je me souviens que quand j'allais à l'église baptiste et dans des églises méthodistes, ils avaient des réveils à l'ancienne mode. Là, ils poussaient des cris et louaient le Seigneur, marchaient de long large dans les allées et amenaient les pécheurs à s'avancer à l'autel. On ne voit plus ça nulle part. They used to have old-fashioned prayer meetings during the time of a revival, and a sinner in the neighborhood, a boy or girl, and them old mammies and daddies would pray so hard till they'd pray conviction on those children. And then make their way down to the altar and there come to Christ. Autrefois, on avait des réunions de prière à l'ancienne mode lors des réveils. Et s'il y avait un pécheur dans le quartier, garçon ou fille, ces vieilles mamans et ces vieux papas priaient si fort que leur prière provoquait une prise de conscience chez ces jeunes. Et ils s'avançaient à l'autel, et là, ils venaient à Christ. But you don't see that no more. It seems like it's running in shallow waters. It just don't seem like it ought to be. That way. Mais on ne voit plus ça. On dirait que c'est dans des eaux peu profondes. Il me semble que les choses ne devraient pas du tout être comme ça. And then it used to be that most any of the churches, any years ago when they would have a revival in one church, all the other churches would cooperate. And they would come in and help and send their members over and close up churches. And have a revival. You don't see it no more. Et autrefois, la plupart des églises, il y a bien des années, quand on faisait des réunions de réveil dans une église, toutes les autres églises collaboraient. Elles participaient, apportaient leur assistance, et on voyait leurs membres. Et on fermait les églises pour aller à ces réunions de réveil. On ne voit plus ça. Now just what's happened. And what you going to do about it? It's just fulfilling the word of the living God. Amen. And it points to post. One of them, the running out of time, and another one, the coming of the Lord Jesus. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Cela ne fait qu'accomplir la parole du Dieu vivant. Et cela indique deux choses. L'une, c'est la fin du temps. Et l'autre, c'est la venue du Seigneur Jésus. For the Holy Spirit definitely spoke and said in the last days the churches would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent and despisers of those that were good. En effet, le Saint-Esprit a clairement parlé et dit: dans les derniers jours, les églises seraient emportées, enflées d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyales, calomniatrices, intempérantes et ennemies des gens de bien. So if the Bible has predicted such things to be, how can we expect anything else but that to happen? Having a form of godliness and denying the power. Donc, si la Bible a prédit que ces choses arriveraient,
Comment peut-on s'attendre à autre chose qu'à ça? Ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force. Go through this nation today, our nations, and find the little handful of believers that believe. I mean real believers that believe that Jesus Christ really lives. See, they've got the church just to an idol. We've been through that the last few days in our teaching. Parcourez ce pays, nos pays. Vous verrez qu'il n'y a qu'une petite poignée de croyants qui croient. Je veux dire de vrais croyants qui croient que Jésus-Christ vit réellement. Voyez-vous, ils ont fait de l'Église une simple idole. Nous avons vu ça ces derniers jours dans notre enseignement. We thought on to the Catholic Church, their idols, and bowing to it as they pass by the church. And the Protestants are just as bad. Just so they go there once in a while, and maybe some of them just go once a year, and that's on Easter. On montre du doigt l'Église catholique et ses idoles, le fait qu'ils s'inclinent devant elle quand ils passent devant l'Église. Les protestants sont tout aussi mauvais, tout à fait. Ils y vont de temps à autre. Peut-être que certains d'entre eux y vont juste une fois par an, à Pâques. I heard a minister here not long ago in the city that made this remark. He said, I told all my people on Easter morning a Merry Christmas. Said, I won't see him no more till Christmas, or next Easter, a Merry Christmas. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un ministre de cette ville faire remarquer cela. Il a dit, le matin de Pâques, j'ai souhaité joyeux Noël à tous mes fidèles. Il a dit, je ne les reverrai pas avant Noël ou la prochaine Pâques. Joyeux Noël. And as we stand here watching these things unfold, and each of us mortals, and know that something has to happen. It just can't go on like this. Alors que nous sommes là, à voir ces choses se dérouler, tous mortels autant que nous sommes, nous savons que quelque chose doit arriver. Ça ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Every person doesn't have time to stop 5 minutes. They're just on a push and a run and a hurry and a jam through the street. Personne ne trouve le moyen de s'arrêter pendant 5 minutes. Partout dans les rues, ça se bouscule, ça court, on est pressé, on crée des embouteillages. When the children was coming up the highway this afternoon, I was coming, or noon it was, I was coming from New Albany. And here come a lady down through the road among those children about in a 20-mile zone, about 60 or 70 miles an hour. Just hard as she could split. And where is she going? Cet après-midi, quand les enfants marchaient sur la route, je revenais, c'était plutôt à midi, je revenais de New Albany. Et voilà une dame qui est arrivée là, à la hauteur de ses enfants, à environ, dans une zone limitée à 30 km à l'heure. À environ 100 ou 110 km à l'heure. Elle roulait aussi vite que possible. Où allait-elle? In a few minutes, I said, what do you think about that to the person that was with me? Here come two more cars racing like hot rodding right up among those children. Quelques minutes après, j'ai demandé à la personne qui était avec moi, qu'est-ce que vous en pensez? Deux autres voitures sont passées à vive allure, comme des bolides, à la hauteur de ses enfants. Through our lane there where we live at morning, it's like a racetrack. Have to hurry home to wash the dishes or listen to Arthur Godfrey or something. Where are you going? What's the matter? Là, sur la petite rue où nous habitons, le matin, c'est comme une piste de course. Les gens doivent se dépêcher de rentrer chez eux pour faire la vaisselle ou écouter Arthur Godfrey ou quelque chose comme ça. Où allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? What's got the thing all upset is because men and women have become lovers of this present world. The great thing ought to be would be
come home to read the Bible and to time to pray. Ce qui cause tout ce dérèglement, c'est que les hommes et les femmes sont devenus des amoureux du monde actuel. La chose la plus importante devrait être de rentrer à la maison pour lire la Bible et prendre le temps de prier. I think about John Wesley's mother, Suzanne. She was a mother of 17 children. And she had time to spend, I think it was either 2 or 3 hours every day in prayer. Je pense à la mère de John Wesley, Suzanne. Elle était mère de 17 enfants et elle trouvait le moyen de passer du temps en prière. Je pense que c'était soit 2 ou 3 heures par jour. And raised and mothered 17 children, which brought forth one of the world's greatest preachers and one of the greatest songwriters of the day, Charles and John. Because she took time to serve God and not dally in the things of the world. En plus d'élever et de prendre soin de 17 enfants, ce qui a produit l'un des plus grands prédicateurs au monde et l'un des plus grands compositeurs de cantiques de l'époque, John et Charles. En effet, elle prenait le temps de servir Dieu et non de traîner dans les choses du monde. And when we see our foundation of our nation, the foundation of our home, the foundation of our church sinking, then, brethren, what can we do? Et quand nous voyons sombrer le fondement de notre pays, le fondement de notre foyer, le fondement de notre église, alors, mes frères, que pouvons-nous faire? Then I want to say this. Oh, if I had a voice that I could echo it to the world, we have a solid foundation. Amen. Left, and that's God's blessed holy word, the Bible. Alors, je veux dire ceci. Oh, si j'avais une voix qui pouvait résonner dans le monde entier. Il nous reste encore un fondement solide. C'est la sainte parole bénie de Dieu, la Bible. For all heavens and earth will pass away, but God's word shall never pass away. And upon this rock, God said, I'll build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. En effet, tous les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et sur cette pierre, a dit Dieu, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. So what a blessed privilege it is to all of us to reach over and get God's good old Bible and turn the pages back and know that we're reading directly truth. Praise the Lord. And to see that these times happened in days gone by, for it speaks of a historical God. Alors, quel privilège béni pour nous tous de tendre la main et de prendre la bonne vieille Bible de Dieu, d'en tourner les pages et de savoir que nous lisons directement la vérité et de voir que ces choses se sont produites dans le passé puisqu'elles parlent d'un Dieu de l'histoire. And the only way that we're ever going to be to cope with these ways are to fall in line is to call up out of history that historical God. Et la seule façon pour nous d'être, de nous mettre au diapason de ces choses, ou de nous aligner derrière elles, c'est de faire sortir de l'histoire ce Dieu de l'histoire. Amen. For through all days in the antediluvian destruction, before the coming of Christ, and at different events, he never fails when he called on. He's always right. En effet, dans tous les âges, que ce soit lors de la destruction antédiluvienne, avant la venue du Christ et au cours de différents événements, il ne faillit jamais quand on l'invoque. Il a toujours raison. I'm thinking of a time now that when a nation was in captivity, it was Israel.
And they were down in Egypt and was made hard and rigor to serve the Egyptians. It seemed like that everybody had just grown cold. Là, je pense à une époque où une nation était en captivité. C'était Israël. Ils étaient en Égypte et ils étaient traités durement et avec rigueur dans leur service aux Égyptiens. Il semblait que tout le monde s'était refroidi. Did you know Israel was in Egypt twice as long as the United States has been a nation? We're not over about 150 or 70 years old, something like that, and they were 420 years in bondage or down in Egypt. Saviez-vous qu'Israël a passé en Égypte le double du temps que les États-Unis ont fait en tant que nation? Nous n'avons pas plus de 150 ou 70 ans, quelque chose comme ça. Et eux, pendant 420 ans, ils ont été en esclavage, ou plutôt en Égypte. But it come a time when it seemed like that all hopes is gone, but there was one man and woman who seemed to have faith in a historical God that spoke to Abraham in the time of crisis, and they believed they could call on him and he'd answer. Mais il y a eu un temps où il semblait qu'il n'y avait plus aucun espoir. Mais il y avait un homme et une femme qui semblaient avoir foi en un Dieu de l'histoire, qui avait parlé à Abraham en temps de crise. Il croyait qu'il pouvait l'invoquer et qu'il répondrait. That was Amram and Jehoshaphat, the wife of Amram, the mother and father of Moses. C'était Amram et Jochebed, la femme d'Amram, la mère et le père de Moïse. And this year, some time ago, I was preaching and gave a little illustration of how that Amram would come home at night and he'd say, Jochebed, I am so tired. And the fresh lashes on his back from a taskmaster's whip. Et comme je prêchais ici il y a quelque temps, j'ai un peu illustré comment Amram rentrait chez lui le soir. Et il disait, « Jochebed, je suis très fatigué. » Il avait sur le dos les marques fraîches des coups de fouet du chef de corvée. And she would sit down patiently, perhaps, and wash out the places and weep and say, oh, Amram, isn't there something that can be done? Et peut-être qu'elle était là, à nettoyer patiemment ces endroits. Et en pleurs, elle disait, oh, Amram, n'y a-t-il rien qu'on puisse faire? I would hear him say, oh, dear, if you'd have been with me today and seen them beat them young boys. Trying to pull those loads. But they were heartless. They treated them like they were animals. And that's our young man of Israel. Isn't there something can be done? Je peux l'entendre dire, « Oh, chérie, si tu avais été avec moi aujourd'hui, tu les aurais vus battre les jeunes garçons qui essayaient de tirer les charges. Mais ils étaient sans cœur. Ils les ont traités comme des animaux. Ce sont nos jeunes Israélites. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire? That's what I wonder now, to see our young teenage boys that will be the men and women of tomorrow, our teens today. C'est ce que je me demande maintenant. Je vois nos jeunes, ces adolescents qui seront les hommes et les femmes de demain, nos adolescents d'aujourd'hui. Hair down in their neck and breeches pulled out over their hips, and the pistol stuck in their side, and a cigarette in the side of their mouths. What will it be? It's still slavery under the devil. Amen. Isn't there something that can be done? Les cheveux jusqu'au cou, et le pantalon porté sous les hanches, un pistolet accroché sur le côté, une cigarette au coin de la bouche. Qu'est-ce que cela va devenir? C'est encore l'esclavage sous le diable. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire?
And Amram, perhaps one of the only ones of the nation, would climb up a little stair steps, regardless of how tardy he was. There each night he'd call on the God of Abraham. Et Amram, peut-être l'un des rares habitants du pays, montait les marches d'un petit escalier, peu importe sa fatigue. Là, chaque soir, il invoquait le Dieu d'Abraham. One that he had learned, that come to Abraham and come to Job, and come to Isaac and come to Jacob, in hours of distress, and surely if he was God in their day, he'd be God in that day. Ce Dieu qui, comme il l'avait appris, était venu à Abraham, était venu à Job, était venu à Isaac, était venu à Jacob, aux heures de la détresse. Et certainement, s'il avait été Dieu en leur jour, il serait Dieu en ce jour-là. Amen. And if he was God in Moses' day, he's God today. He just needs to be called up out of history and called on the scene of action. Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il suffit de le faire sortir de l'histoire et de l'appeler sur la scène. And I can see Amram night after night, no matter how tired. That proved his faith in that God. Et je peux voir Amram, soir après soir, peu importe combien il était fatigué, cela prouvait sa foi en ce Dieu. But today the people, if they don't get everything they ask for, the first time they pray, they seem to think that he's dead. What we need is men and women today of gallant spirit. Men and women who are determined to hold on till they see a God that really lives come into action. That will not take no for an answer. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent la première fois qu'ils prient, ils se disent qu'il est mort. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes nobles d'esprit, des hommes et des femmes qui sont déterminés à tenir ferme, jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit vraiment passer à l'action, des gens qui ne renonceront pas. They're determined to stay with it. If they are sick and the doctor has said they can't get well, yet something within them tells them they're going to be well. Hold on, no matter what takes place. Ils sont bien décidés à s'en tenir à cela. S'ils sont malades et que le médecin leur a dit qu'ils ne peuvent pas se rétablir, il y a cependant quelque chose en eux qui leur dit qu'ils vont se rétablir. Tenez ferme, quoi qu'il arrive. Have you joined the churches of the denominational world until you have sapped all your strength from walking from place to place? And you still can't find relief. There's still a God that answers prayer and saves from sin. Amen. Avez-vous adhéré aux églises du monde dénominationnel après que vous avez épuisé toutes vos forces, allé d'un lieu à l'autre sans jamais trouver de soulagement? Il y a encore un Dieu qui répond à la prière et qui sauve du péché. As we can see, Amram, on those weary nights, back bleeding, climbing up the steps again until 2 and 3 o'clock in the morning, praying and seeming like he's just talking to the wind. Et comme on peut le constater, Amram, malgré ses nuits pénibles, le dos qui saignait, il montait de nouveau les marches, priait jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. On aurait dit qu'il parlait au vent. Down in his Jewish heart there burned a faith that no winds of doubt could ever blow out. That's the kind of men and women we need to rise on the scene today. Là, au fond de son cœur de juif, il y avait une foi ardente qu'aucun vent de doute ne pouvait jamais éteindre.
Voilà le genre d'hommes et de femmes que nous voulons voir entrer en scène aujourd'hui. If he doesn't answer tonight, he will tomorrow night. If he doesn't answer this year, he will next year. For he's a God. Not a God, but the God. S'il ne répond pas ce soir, il répondra demain soir. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Car il est un Dieu. Non pas un Dieu, mais le Dieu. Amen. And we see night after night as Amram climbed the steps and Jehoshaphat would come up to him and say, Amram, dear, you've been up here praying all night. Why don't you just tell some of the boys where you're working and let them pray a while? Et nous voyons qu'Amram, soir après soir, il montait les marches. Et Jochébed s'approchait de lui et disait, « Amram, mon chéri, tu as prié là-haut toute la nuit. Pourquoi ne demandes-tu pas à certains des jeunes hommes où tu travailles de prier un peu ?» Well, honey, what if they don't do it? Somebody's got to do it. Somebody's got to pray through. Eh bien, chérie, et s'ils ne le font pas, il faut que quelqu'un le fasse. Il faut que quelqu'un prie jusqu'à exaucement. Amen. That's the way every Christian ought to feel tonight, not waiting for somebody else, but take the front ourselves and go through. Voilà le sentiment qui devrait animer chaque chrétien ce soir. Ne pas attendre quelqu'un d'autre, mais prendre les devants nous-mêmes jusqu'à exaucement. If we believe the Bible to be a history, it's also a prophetic book that tells that that same God shall rise in the last days. And it's time for him to come on scene. Si nous croyons que la Bible contient de l'histoire, c'est aussi un livre prophétique qui nous dit que ce même Dieu se lèvera dans les derniers jours. Et il est temps qu'il entre en scène. That's what Amram knew. That Moses had prophesied, or not Moses, pardon me, Abraham, had been given a promise by this God of history who hadn't answered a prayer in 400 years, as far as we have record. But he made a promise that he would bring them out. Voilà ce qu'Amram savait, que Moïse avait prophétisé, ou non pas Moïse, excusez-moi, Abraham avait reçu une promesse de la part de ce Dieu de l'histoire qui n'avait répondu à aucune prière depuis 400 ans, d'après ce que l'histoire nous rapporte. Mais il avait promis qu'il les ferait sortir. And seemingly we've had a silent God for a long time. But the hour has come where he's going to rise on the scene. Et on dirait que notre Dieu reste bien silencieux depuis longtemps. Mais l'heure est venue où il va entrer en scène. One night when Amram had prayed maybe for several years, and his hair now was turning gray and no deliverance but just getting worse. One night he got right down to business. That's how we have to do it. Get right down to business. Un soir, ça faisait peut-être plusieurs années qu'Amram priait. Ses cheveux commençaient alors à grisonner et toujours pas de délivrance. Mais la situation empirait continuellement. Un soir, il est passé vraiment aux choses sérieuses. Voilà comment nous devons nous y prendre. Passez vraiment aux choses sérieuses. He said, God, you promised this, and we've looked forward to it, and we see the signs all here, and the time is at hand. It's time for you to do something about it. Il a dit, ô Dieu, c'est ce que tu as promis, et nous l'avons attendu avec impatience, et nous voyons que tous les signes sont là, et que le temps est proche. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. While he was in deep, concentrated prayer, praying with all of his heart, he looked standing in the corner. He rubbed his eyes and looked again. Alors qu'il était vraiment plongé dans la prière et qu'il priait de tout son cœur, il a regardé
et voici que quelqu'un se tenait dans un coin. Il s'est frotté les yeux et a regardé de nouveau. There stood an angel with a sword drawn. He said, deliverance is coming. And you're going to bring a son into the world, and he's going to be the one to deliver him. See, God always answers prayer, doesn't he? Amen. If we just hold on. Là se tenait un ange, son épée nue dans la main. Il a dit, la délivrance arrive. Tu engendreras un fils, et c'est lui qui les délivrera. Voyez-vous, Dieu répond toujours à la prière, n'est-ce pas? À condition que nous tenions ferme. Moses, when he had led the children of Israel faithfully into the wilderness, and he came to the Red Sea, and the mountains on one side, and the deserts on the other, and Pharaoh's army this way, and the Red Sea ahead of him, and they were trapped in a little net. Moïse, après avoir conduit fidèlement les enfants d'Israël dans le désert, il est arrivé à la mer Rouge. D'un côté, les montagnes, de l'autre, le désert. Par là, l'armée de Pharaon, et devant eux, la mer Rouge. Ils étaient pris au piège dans une petite bande de terre. Seemed like even nature would cry out. What's going to happen? They're finished. Pharaoh's army by the tens of thousands to ride him down. But what did the people begin to murmur and complain? Oh, it'd been better if we'd stayed back in our place where we were at. On dirait que même la nature s'était écriée. Que va-t-il se passer? C'est fini pour eux. L'armée de Pharaon, par dizaines de milliers, allait les écraser. Mais qu'est-ce que le peuple a fait? Il s'est mis à murmurer et à se plaindre. Oh, ça aurait été mieux si nous étions restés à l'endroit où nous étions. But there was one among those people who had the flame of God's faith burning in his heart, who believed that the historical God could rise on the scene in any kind of a difficult. Mais il y en avait un parmi ces gens dont la foi ardente de Dieu brûlait dans le cœur, qui croyait que le Dieu de l'histoire pouvait entrer en scène dans n'importe quelle situation difficile. Moses stood with his hands up to God and prayed until a God of history rose on the scene to be a God in present day. And he opened up the way, and Israel went through the waters on dry land. Amen. Moïse s'est tenu là, les mains levées vers Dieu. Il a prié jusqu'à ce que le Dieu de l'histoire entre en scène pour être le Dieu d'aujourd'hui. Il a ouvert la voie. Et Israël a traversé les eaux à pied sec. Oh, it was not long after that until Joshua had led the same group or their children to the Jordan. And it was in the month of April when the whole streams were swelling and the Jordan was five times its size. Oh, peu de temps après, Josué a conduit le même groupe ou leurs enfants au Jourdain. Et c'était au mois d'avril, au moment où tous les cours d'eau étaient en crue et que le Jourdain faisait cinq fois sa taille. Looked like any good military leader would have brought them there different from that. It is at that very time when there wasn't a possibility to cross it. On dirait que tout bon chef militaire aurait choisi un autre moment pour les conduire là-bas. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il n'y avait aucune possibilité de le traverser. But Joshua, he'd remember, there was a God of history 40 years before that opened the Red Sea. Amen. And he called on that God, and that God came down in great power and became a God in present crisis and opened the Jordan and crossed them over. Mais Josué s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui, 40 ans auparavant, avait ouvert la mer Rouge, et il a invoqué ce Dieu. Ce Dieu est descendu avec une grande puissance et est devenu le Dieu de la crise de l'heure. Il a ouvert le Jourdain et les a fait traverser. It was many years later when our text reading tonight, our subject reading, when Elisha had seen the curse of that nation and was up on the mountain and
hundreds of years there had been no prayer answered in Israel. Yet Elisha knew that there was a God of history that could come on the scene. Quant au passage que nous avons lu ce soir, ce qui a été l'objet de notre lecture, c'est beaucoup d'années plus tard qu'Élisée avait vu la malédiction de cette nation, alors qu'il était sur la montagne, car pendant des centaines d'années, aucune prière n'avait été exaucée en Israël. Cependant, Élisée savait qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pourrait entrer en scène. And he challenged the unbelieving world to stand in the presence of this God and see which one would answer by fire. And the God who could protect the Hebrew children from the fiery furnace brought down fire and consumed the sacrifice. Et l'a lancé au monde des incrédules, le défi de se tenir dans la présence de ce Dieu et de voir lequel répondrait par le feu. Et le Dieu qui avait protégé les enfants hébreux de la fournaise ardente a fait descendre le feu et a consumé le sacrifice. It was also not long after that when a man had died by the name of Lazarus. And there was a God that still lived. That could take Enoch home without even seeing death and take Elijah up on a chariot of fire. Peu de temps après, un homme du nom de Lazare était mort. Et il y avait un Dieu qui vivait encore. Il avait pu ramener Enoch à la maison sans même qu'il voie la mort et faire monter Élie dans un char de feu. And he was called on the scene in that dark hour of death and he acted just so he would at any time. Yet he was a God of history, but was raised up from history to a present crisis. Amen. On l'avait appelé sur la scène à l'heure sombre de la mort. Et il avait agi exactement comme il le ferait à tout moment. Pourtant, il était un dieu de l'histoire. Mais on l'a sorti de l'histoire pour la crise de l'heure. He was down by the Jericho gate, where a blind man sat by the road crying. All hopes is gone, no doctors could do him any good, his money was spent. There was nothing left for him. But to sit there and dream for a few days till death would be a sweet relief. C'était près de la porte de Jéricho, où un aveugle était assis au bord de la route et il criait. Il n'y avait plus aucun espoir. Aucun médecin ne pouvait l'aider. Il avait dépensé tout son argent. Il ne lui restait plus qu'à rester assis là et à rêver quelques jours, jusqu'à ce que la mort lui soit un doux soulagement. One day coming down the road, a God of history come on the scene in a present crisis. God opened the eyes of the blind. Et un jour, le long de la route, est descendu un dieu de l'histoire qui est entré en scène pour une crise de l'heure. Dieu a ouvert les yeux de cet aveugle. He's in Jairus' house where the doctors had failed and turned the little girl back to the... To die, and death had come in and taken its bitter toll, and had taken the only child of the home, the little girl of 12, and stretched her out on a couch. C'est dans la maison de Jairus que les médecins avaient échoué. Ils avaient renvoyé la petite fille à la pour y mourir, et la mort y était entrée, et y avait fait ses ravages. Elle avait pris l'unique enfant de ce foyer, la petite fille de 12 ans. Et on l'avait allongé sur le divan. When a broken-hearted little preacher had to forsake his denomination and all of his friends. But he remembered that there was a God of history who could raise the dead. Amen. And he went to find him. Alors que ce jeune prédicateur au cœur brisé avait dû abandonner sa dénomination et tous ses amis, mais il s'est souvenu qu'il y avait un Dieu de l'histoire qui pouvait ressusciter les morts. Et il est allé à sa recherche. Seek and ye shall find. Knock and it'll be opened unto you. Ask and it shall be given unto you. He's still the same God. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Il est toujours le même Dieu. When this God dwelling in a body called Jesus, the Son of God,
when he was called on the scene, called up out of history. The God who can raise the dead in the Old Testament, bring life back to a dead baby through a prophet. Amen. That God cannot die. He's God for eternity. Ce Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu, quand on l'a appelé sur la scène et qu'on l'a fait sortir de l'histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts dans l'Ancien Testament, qui avait ramené à la vie un petit enfant mort par un prophète. Ce Dieu ne peut pas mourir. Il est Dieu pour l'éternité. That baby lay down on the bed, stretched out, and little Jairus, knowing that the Shunammite got her baby back, he said, that God of history, if he could ever be called into action, he's the same God today. Amen. Cet enfant était couché, allongé sur le lit. Et le jeune Jairus, qui savait que l'enfant de la Tsunamite lui avait été rendu, il a dit, « Ce Dieu de l'histoire, si jamais on pouvait l'appeler à entrer en action, il est le même Dieu aujourd'hui. » And searching through, he had heard some man that claimed to have the power, and that was Jesus of Nazareth, who they all hated. But he called him on the scene, for he's the closest representative. He could find of God at the day, a God of a living God. Et à force d'y songer, il avait entendu parler d'un homme qui prétendait avoir la puissance. C'était Jésus de Nazareth, celui qu'ils haïssaient tous. Mais il l'a appelé sur la scène, car c'était lui le plus proche représentant de Dieu, d'un Dieu, du Dieu vivant, qu'il avait pu trouver ce jour-là. And when he was called on the scene, and the historical God was called up, he acted the same way he did when he spoke to Elijah on that dead baby. Et quand on l'a appelé sur la scène, et qu'on a invoqué ce Dieu de l'histoire, il agit de la même manière qu'il l'avait fait quand il avait parlé à Élie au sujet de cet enfant mort. Let me more say today, my brother, sister, in this present day when crisis and when cancer is eating the world up and diseases of all kinds, the same historical God that cleansed the leper, healed the sick and raised the dead is the same God today. He's waiting anxiously for his people to call him on the scene of action. Amen. Laissez-moi vous dire encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, en ce temps de crise, alors que le cancer ronge le monde et qu'il y a toutes sortes de maladies, ce même Dieu de l'histoire qui purifiait les lépreux, guérissait les malades et ressuscitait les morts est le même Dieu aujourd'hui. Il attend impatiemment que son peuple l'appelle à entrer en scène. One who could forgive a heart for committing adultery 7 times in a day. He who could cleanse the vilest sinner and make them white as a lily. That same God of history lives today to clean every blackened heart of sin and unbelief. Celui qui a pardonné à une prostituée d'avoir commis adultère 7 fois par jour, celui qui a purifié le plus vil des pécheurs et l'a rendu blond comme un lys, ce même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui pour purifier tout cœur noirci par le péché et l'incrédulité. There was a man who had a boy with epilepsy one day, and he took him to the church, and the disciples danced and hollered around him for a while and could do no good, but there was still a God of history that lived. He was determined to find him. Un jour, il y avait un homme dont le fils était atteint d'épilepsie. Il l'a emmené à l'église, et les disciples ont dansé et ont crié à tue-tête autour de lui pendant un moment, et ils n'ont rien pu faire. Mais il y avait un Dieu de l'histoire qui vivait encore. Il était bien décidé à le trouver. See me coming off the mountain, he run to him and said, Lord, have mercy on me. A devil's took my child. And he pines away and falls into the fire. Jesus said, I can if you believe. Quand il l'a vu descendre de la montagne, il a couru vers lui et a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Un démon s'est emparé de mon enfant. Il devient tout raide et tombe dans le feu. Jésus a dit, « Je le peux si tu crois. » If you believe what?
If you believe that the God of history still lives today, and he was called on the scene, and the epilepsy left the child. Si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l'histoire vit encore aujourd'hui, on l'a appelé sur la scène et l'épilepsie a quitté cet enfant. That same God lives today. When the churches has failed, when politics has failed, when everything else has failed, and man has failed, and everything's failed, God can't fail. Ce même Dieu vit aujourd'hui, alors que les églises ont failli, alors que la politique a failli, alors que tout le reste a failli, l'homme a failli et tout a failli. Dieu ne peut pas faillir. He's the God of this old black Bible. His promise is just as true as he ever was, and it's time that his people called on him. Raise him up from history. Il est le Dieu de cette vieille Bible à la couverture noire. Sa promesse est tout aussi vraie que jamais. Et il est temps que son peuple l'invoque, le sorte de l'histoire. For it is written, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. He's a historical God, and he's a present time God. And in the last days he said, I'll pour out of my spirit upon all flesh, and signs and wonders shall follow them that believe. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu de l'histoire, et il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair, et des signes et des prodiges accompagneront ceux qui auront cru. For in my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it would not harm them. And if they lay their hands on the sick, they shall recover. Car en mon nom ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. That was a historical God that gave the promise, and we're the people today of his pasture. Hallelujah. We're the sheep of his fold, and he's waiting on us to stand and call him on the action. Call him on the scene. Watch him go into movements. Watch him do the supreme. C'est un Dieu de l'histoire qui a fait la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de son troupeau. Et il attend que nous prenions position et que nous l'appelions à entrer en action. Appelez-le sur la scène. Voyez-le commencer à agir. Voyez-le faire ce qui est suprême. Watch him do the thing that man will wonder and scratch your heads and not understand it. He's a historical God and a present day God. Hallelujah. He's waiting to be called out of history. Voyez-le faire ce qui va étonner les hommes qui se gratteront la tête car ils ne comprennent pas. Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Let's not look at him. What good does a historical God do us? If he's only a historical God, what good would a historical God done Amram and Jochebed? What good would a historical God done to Moses? What good would a historical God done to Lazarus? Ne le considérons pas. À quoi nous sert un Dieu de l'histoire s'il est seulement un Dieu de l'histoire? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Amram et Jochebed? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Moïse? À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire à Lazare? What good would a historical God done to Bartimaeus at the gate? What good would a historical God do you tonight if he isn't the same today? He is the same today. He forgives all of our sins and heals all of our diseases. À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Aurait servi à l'aveugle Bartimée à la porte? Et à quoi vous servirait un Dieu de l'histoire ce soir s'il n'est pas le même aujourd'hui? Il est le même aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés
et guérit toutes nos maladies. The historical God called up out of history. He'll shine in this light day. What? When time is ending. When politics is ending. When life is ending. When everything's coming to end, Jesus comes to the life. Le Dieu de l'histoire, si on le fait sortir de l'histoire, il brillera en ce jour de lumière. Quoi? Alors que le temps tire à sa fin, alors que la politique tire à sa fin, alors que la vie tire à sa fin, alors que tout arrive à son terme, Jésus vient à la lumière. Alléluia. Everything's met its doom, he still shines the lily of the valley. Praise the Lord. The bright morning star. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Just call on a historical God and watch him become a present God, raised up out of history to shine just as he did then. He'll act the same. He'll do the same. He'll forgive the same. Alors que tout est détruit, lui, il continue de briller. Le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invoquez simplement le Dieu de l'histoire. Vous le verrez devenir le Dieu du présent, sorti de l'histoire, pour briller exactement comme il l'a fait en ce temps-là. Il agira de la même façon. Il fera la même chose. Il pardonnera de la même façon. He'll heal the same. His compassion is the same. His willingness is the same. And his power is the same. He's the same. He's waiting for our... Il guérira de la même façon. Ses compassions sont les mêmes. Sa bonne volonté est la même. Et sa puissance est la même. Il est le même. Il attend notre... You can't call him with your lips. He doesn't come by lip service. He comes by faith. When your faith, not your long prayer, you're burning out. Vous ne pouvez pas l'invoquer de vos lèvres seulement. Il ne vient pas quand on le serre des lèvres seulement. Il vient par la foi. Quand votre foi, pas votre longue prière, votre ardent désir. But he comes by that little dim faith that's way down in your soul that can take a hold and say, that little thing that's been that brought me to this tabernacle tonight can light my soul afresh. Hallelujah. Can send me away from here, a burning insane like the birds in the air. Mais il vient par cette faible petite foi qui est tout au fond de votre âme, qui peut s'accrocher et dire, cette petite chose qui est là, qui m'a conduit à ce tabernacle ce soir, peut de nouveau éclairer mon âme et faire que je reparte d'ici plein de ferveur et en chantant comme les oiseaux du ciel. Why? He's a historical God and a present day God. He's waiting to be called on. Call upon the Lord and he'll hear you. Speak to him in song. Pray to him and believe him. He'll answer. Pourquoi? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on l'invoque. Invoquez le Seigneur, il vous répondra. Parlez-lui par des psaumes. Adressez-lui vos prières et croyez-le. Il répondra. In these words I say in closing, that's the reason this meeting tonight, that's the reason this meeting is started. I believe that the God that told me 27 years ago when we put this foundation stone in utter, that I preach the gospel around the world. He brought it to pass. Et je dis ces mots pour terminer. C'est la raison d'être de cette réunion ce soir. C'est pour cette raison que cette série de réunions a commencé. Je crois que c'est Dieu qui m'a dit, il y a 27 ans, quand nous avons posé la première pierre ici, que je prêcherai l'évangile dans le monde entier. Il l'a accompli. When they laughed and said, where are you going, Billy, with your seventh grade education? I said, I'm going in the name of the Lord Jesus. Quand les gens se moquaient et disaient, où iras-tu, Billy, avec seulement des études primaires? J'ai dit, j'irai au nom du Seigneur Jésus. Amen.
I preached my sermon before leaving 11 years ago across this pulpit. Miss Gertie sitting there saying that, only believe. And the great giant stood yonder like I preached on David and Goliath. Quand j'ai prêché mon sermon avant de partir, il y a 11 ans, du haut de cette chaire, et que Madame Gertie, assise là, a chanté « Crois seulement ». Les grands géants étaient là, alors que je prêchais. C'était comme David contre Goliath. There was science in the great known world to condemn divine healing and put it to shame. And everyone tell me, boy, you'll crack up out there. They'll throw you in jail. They'll do this, that, or the other. But the God of history had come on the scene now and told me to do it. And I did it by his grace and his mercy. La science et les grands de ce monde étaient présents pour désapprouver la guérison divine et la tourner en dérision. Et tout le monde me disait, « Jeune homme, tu vas perdre la boule là-bas. Ils te jetteront en prison. Ils feront ceci, cela ou autre chose. » Mais c'est le Dieu de l'histoire qui était entré en scène là-bas et qui m'avait dit de le faire. Et je l'ai fait par sa grâce et sa miséricorde. That same God that was history of 10 years ago has raised on the scene again. Amen. Just as sure as he brought that to pass, he shall bring this to pass. Ce même Dieu de l'histoire d'il y a 10 ans, il est maintenant de nouveau entré en scène. Tout aussi sûr qu'il accomplit cela, il accomplira ceci. Amen. He's a God of history and he's God of present day. He never slumbers or sleeps. He cannot die, for he had no beginning or no end. Il est le Dieu de l'histoire, et il est le Dieu d'aujourd'hui. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne peut pas mourir, car il n'a ni commencement ni fin. Hallelujah. In your case tonight, sinner friend, that little tickling feeling around your heart that tells you that he is the same, that tells you that he can free you from every burden and every crime and every sin that you've committed against him. Dans votre cas ce soir, ami pécheur, il y a cette petite pulsation que vous ressentez dans votre cœur qui vous dit qu'il est le même, qui vous dit qu'il peut vous libérer de tout fardeau, de tout crime et de tout péché que vous avez commis contre lui. What can you put your hopes in? Not even in your own home. Not in your wife, not in your family, mother or father. Dans quoi pouvez-vous placer vos espoirs? Pas même dans votre propre foyer, ni dans votre femme, ni dans votre famille, votre mère ou votre père. My hopes is built on nothing less than Jesus' blood with righteousness. When all around my soul gives way, then he's all my hope and stay. On Christ, that solid rock we stand, all other grounds is sinking sand. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que le sang de justice de Jésus. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Sur Christ, ce rocher solide, nous nous tenons. Tout autre sol est du sable mouvant. Church, friend, whatever it is, they're all coming to an end, but he lives forever. Amen. And because he lives, we live with him. L'Église, les amis, peu importe ce que c'est, toutes ces choses tirent à leur fin. Mais lui, il vit éternellement. Et parce qu'il vit, nous vivons avec lui. What would you give in exchange? What could you give? What if God called you tonight to answer the judgment? What would you do about it? Que donneriez-vous en échange? Que pourriez-vous donner? Et si Dieu vous appelait ce soir à répondre au jugement, que feriez-vous à ce sujet? You put your hopes in the nation, it's breaking, like all others. Put your hopes in a certain election is coming on, then man, I have nothing against them, but they're immortal and going to leave. Vous placez vos espoirs dans la nation? Elle se disloque, comme toutes les autres. Vous placez vos espoirs dans une certaine élection à venir? Ces hommes, je n'ai rien contre eux, mais ils sont mortels et ils passeront. You can't put your hopes in nothing at all that's going to hold, but the God of history who promised he'd rise, and some blessed day
They may take you yonder and pour the dirt on top of you, the undertaker. But the uptaker will come around one of these days. The undertaker will take you down, but the uptaker will take you up. This is sure. Vous ne pouvez placer vos espoirs dans quoi que ce soit qui puisse tenir, si ce n'est dans le Dieu de l'histoire, qui a promis qu'il se lèverait. Et un jour béni, il se peut qu'on vous emmène là-bas, et que celui qui ensevelit vous enterre, mais celui qui ressuscite viendra un de ces jours. Celui qui ensevelit vous fera descendre, mais celui qui ressuscite vous fera monter, c'est sûr et certain. For those who are dead in Christ will God bring with him when he comes. For he's a God of history now to many. But he'll be a God of present day when you accept him as your Savior and find him real to your heart. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ quand il viendra. Car maintenant, il est un Dieu de l'histoire pour beaucoup. Mais il sera un Dieu d'aujourd'hui quand vous l'accepterez comme votre Sauveur et qu'il sera réel dans votre cœur. There'll be something in you that tells you, you might not be emotional, you might not cry, you might not speak with tongues, you might not run, you might not shout, but something will happen that you'll know. Amen. That you'll know that something's taken place. Il y aura quelque chose en vous qui vous le dira. Il se peut que vous n'ayez aucune émotion, il se peut que vous ne pleuriez pas, il se peut que vous ne parliez pas en langue, il se peut que vous ne couriez pas, il se peut que vous ne poussiez pas des cris, mais il se passera quelque chose que vous saurez, qui vous fera savoir que quelque chose s'est produit. Your life will tally right with that, as long as you live. And when the last hour comes and you leave this world, you won't fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they'll comfort me. Votre vie va cadrer avec cela, aussi longtemps que vous vivrez. Et quand la dernière heure arrivera, et que vous quitterez ce monde, vous ne craindrez aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. When the doctor has turned you down and walked away, and the cold veins has come up like Mr. Vauder the other night, our notable ex-mayor here of the city, went to hear Mr. Nixon speak, died right on the sea. Good healthy man is Parson. Quand le médecin vous aura abandonné, qu'il sera parti et que vos veines commenceront à se refroidir. Comme M. Vauder l'autre soir, notre illustre ex-maire de la ville, il est allé écouter M. Nixon parler. Il est mort sur place. Un homme bien, en bonne santé, autant que je sache. J'étais en déplacement. Quand je suis revenu, ma femme a dit, « Billy, es-tu au courant quand elle est mort ?» The other day, my little girl sitting in school up here with a little girl on Thursday. And on Sunday, they buried her. Took pneumonia and went to her heart or something, and she killed her. She was dead. L'autre jour, jeudi, ma petite fille était là, à l'école, avec une petite fille. Et dimanche, on l'a enterrée. Elle avait attrapé la pneumonie. Cela atteint son cœur ou quelque chose comme ça. Elle, ça l'a tuée. Elle est morte. A friend of mine. Mrs. Williams over here, Buck Williams' wife. I've known him for years. Zella Brinkman here, she's in the building somewhere. It's her sister. They lived right here next door. For years, when we lived across the street. Went away, she'd been a little nervous, but she was gone when I come back. Et une de mes amies, là, Madame Williams, la femme de Buck Williams, je le connais depuis des années. Zella Brinkman, là-bas. Elle est ici, quelque part dans le bâtiment. C'est sa sœur. Elle habitait là, à côté de nous, pendant des années, quand on habitait de l'autre côté de la rue. Elle s'en est allée. Elle était un peu nerveuse, mais à mon retour, elle était partie. See what it is? Sometime, it's, you're going to meet it. And all the money you can accumulate, all the friends you can accumulate, them's all right. But all those, let that be secondarily. Believe a God of history. And he's a present day God just the same. See what he'll do for you. Vous voyez ce que c'est? Un de ces jours, c'est vous allez y faire face. Et tout l'argent que vous pouvez amasser, tous les amis que vous pouvez multiplier, il n'y a pas de mal à ça. Mais toutes ces choses, reléguez-les au second plan. Croyez que ce Dieu de l'histoire est le Dieu d'aujourd'hui, qu'il est le même. Vous verrez ce qu'il fera pour vous.
to you that's sick and needy. The doctor has turned you down and can do no more for you. Remember, the God of history is the same God today. Let us pray just a moment now as we bow our heads. Pour vous qui êtes malade et qui êtes dans le besoin, le médecin vous a abandonné. Il ne peut plus rien faire pour vous. Souvenez-vous, le Dieu de l'histoire est le même Dieu aujourd'hui. Prions pendant un instant maintenant, alors que nous courbons la tête. If there is those in here tonight, I know not. If there are those in here tonight who knows for the salvation of your soul, that if that God who promised that he'd come in a moment, in a twinkling of an eye, when you think not. S'il y en a ici ce soir, je ne sais pas, en ce qui concerne le salut de votre âme, s'il y en a ici ce soir, qui savent que ce Dieu a promis qu'il viendrait en un instant, en un clin d'œil, quand vous n'y penserez pas. If you're without him, you just imagine you have him. Remember, there is a way that seemeth right, but the end thereof is the ways of death. Si ce Dieu n'est pas avec vous et que vous vous imaginiez simplement que vous l'avez, souvenez-vous, telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. If you're not positive that you are saved tonight, and if he should come, you'd go with him, would you just do so much as to raise your hand to him, and by doing so, say, be merciful to me, God? Si vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé ce soir, et que s'il venait, vous iriez avec lui. Voulez-vous simplement lever la main vers lui et en le faisant dire « Aie pitié de moi, ô Dieu !» Thank you. God bless you. Many hands went up. Would there be another before we close? Would you have the prayer? God bless you, young woman. Just don't be ashamed now, surely. What good does it do to preach a God of history if he isn't the same today? Merci. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de mains se sont levées. Y aurait-il quelqu'un d'autre avant que nous terminions? Voulez-vous, avons compris? Que Dieu vous bénisse, jeune femme. N'ayez pas honte là, certainement. Ça sert à quoi de prêcher un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même aujourd'hui? And brother, sister, I say this. I read of a God of history one time. I read of him in books. I read of him in the Bible. But one day, I met him. Et frères et sœurs, je dis ceci. Une fois, j'ai lu au sujet d'un Dieu de l'histoire. J'ai lu à son sujet dans des livres. J'ai lu à son sujet dans la Bible. Mais un jour, je l'ai rencontré. He come to me. He told me not to drink, not to smoke and defile myself and he had something for me to do when I got a little older. I was just a little boy. He proved that. He did it. Here's his picture hanging right here now where science has tucked it. See? Il est venu à moi. Il m'a dit de ne pas boire, de ne pas fumer et de ne pas souiller mon corps et qu'il avait quelque chose à me faire, que je serais un peu plus grand. Je n'étais qu'un petit garçon. Il a confirmé cela. Il l'a fait. Voici sa photo que la science a prise, accrochée ici maintenant. Voyez. The world knows it. He's proved it among you. He knows every thought in your heart. He's proved himself. He's the same God today. He's not a God of history. Le monde le sait. Il l'a confirmé parmi vous. Il connaît chaque pensée de votre cœur. Il a confirmé ce qu'il est. Il est le même Dieu aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Don't be just let the world smuggle you down with the smut and stuff of the world. Believe him right now. Would you raise your hand, some that hasn't? Would raise your hand and say, God, I'm not sure about it, but I want to be sure. Let me. Ne soyez pas, ne laissez pas le monde vous leurrer par les souillures, les choses du monde. Croyez-le maintenant. Voulez-vous lever la main? Ceux qui ne l'ont pas fait, voulez-vous lever la main pour dire, ô Dieu, je n'en suis pas sûr, mais je veux en être sûr. Laisse-moi. God bless you, young man. Someone, God bless you back there, sister. God bless you, brother. Someone else, God bless you, sister. God bless you over there, brother. That's right. You say, Brother Bill, would it mean anything to me to hold up my hand? You will hold up your hand once and find out. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. Quelqu'un?
Que Dieu vous bénisse là-bas, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse là-bas, mon frère. C'est vrai. Vous dites, frère Bill, est-ce que ça changera quelque chose pour moi si je lève la main? Levez la main une fois et vous verrez. Always, brother, sister, when you do anything right, you feel good about it. Be honest. Now, don't lie to God. You're not lying to God, He knows. You're lying to yourself. Frères et sœurs, chaque fois qu'on fait quelque chose correctement, on se sent bien. Soyez honnêtes. Ne mentez pas à Dieu, là. On ne ment pas à Dieu. Il le sait. On se ment à soi-même. You will lie such a horrible thing till even they can take you in the federal courts and criminal courts and put a lie detector on your arm. And you can try your best to tell that thing, make it sound like the truth, but your nerves will prove that you're telling a lie. Why? You wasn't made to lie. And if a lie detector knows, what about God? Vous savez, un mensonge est une chose si horrible que ça peut vous conduire devant des cours fédérales et des cours pénales. Et là, on vous mettra un détecteur de mensonges au bras. Et vous ferez tout votre possible pour que ça sonne comme si c'était la vérité. Mais vos nerfs attesteront que vous dites un mensonge. Pourquoi? Vous n'avez pas été fait pour mentir. Et si un détecteur de mensonges le sait, qu'en est-il de Dieu? You say, well, brother, I'm a Baptist, I'm Presbyterian, I'm Methodist. That's all right. But I'm asking you one thing. Have you ever met this God of history? Has He stood in the burning bush before you? And you know, and He spoke back to your soul, and you know your sins are gone. Vous dites, mais frère, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis méthodiste. C'est très bien. Je vous demande une chose. Avez-vous déjà rencontré ce Dieu de l'histoire? Est-il descendu dans le buisson ardent devant vous, et vous le savez? A-t-il parlé à votre âme? Et avez-vous la certitude que vos péchés sont effacés? If that isn't so, don't you take no chance just on joining church or went up there and felt a little good about it. You got to know Him. Not to hear of Him, not to have His blessings this life, but to know Him is life. Si ce n'est pas le cas, ne prenez aucun risque. Ne vous contentez pas d'adhérer à une église ou d'avoir été là et d'avoir éprouvé un petit sentiment de bien-être. Vous devez le connaître, entendre parler de lui, avoir ses bénédictions, ce n'est pas ça qui donne la vie. Mais le connaître lui, c'est ça qui donne la vie. To know Him, personally, know Him. Him, personal pronoun, know Him. Not know His book, not be a good student, not be a good member, or a good man or a good woman. That don't do it, the law did that. But to know Him, have you met Him? Le connaître personnellement. Le, pronom personnel, le connaître. Il ne s'agit pas de connaître son livre, d'être un bon étudiant, d'être un bon membre, ni un homme bien ou une femme bien. Ça ne suffit pas. Ça, c'est le produit de la loi. Mais il s'agit de le connaître, lui. L'avez-vous rencontré? Is that God who spoke to Moses in the burning bush come before you? Have you heard Him speak to you? Do you know it was Him? If He hasn't, just raise your hand and say, God, speak to me now. Is that you humming around my heart? I want to know Him. Le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, vous est-il apparu? L'avez-vous entendu vous parler, de sorte que vous êtes sûr que c'était Lui? S'il ne l'a pas fait, levez simplement la main. Dites, ô Dieu, parle-moi maintenant. Est-ce que c'est Toi qui chuchote dans mon cœur? Je voudrais te connaître. God bless you, young lady. God bless you, back there. That's good. That's right. Someone who has it, that's right. God bless you, sister. God bless you, young lady here. That's good. God bless you, little lady over here. Yeah. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu vous bénisse, là derrière. C'est bien. Très bien. Quelqu'un qui ne l'a pas fait. Très bien. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, ici, jeune dame. C'est bien. Que Dieu vous bénisse, ici, mademoiselle. Real quietly with your heads bowed, softly humming. Maintenant, tout doucement,
pendant que vous avez la tête inclinée. Fredonnons ça doucement. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, that'll we'll shout the victory, break through the blue. Some golden day break for me, for you. Now you that raised your hands, if you so desire my prayers for you, believe it, God would hear me. You want to walk up here at the altar? Let me stand here and pray with you. Altar's open. Maintenant, vous qui avez levé la main, si vous désirez que je prie pour vous et vous croyez que Dieu m'exaucerait, voulez-vous avancer ici à l'autel? Je vais me tenir ici et prier un peu avec vous. L'autel est ouvert. God bless you, brother. That's right. God bless you. God bless you, sister. Just get right up and come. If you believe God will help, hear prayer for me. To help you come to Him, to know Him. Walk right up now, won't you? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Très bien. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Levez-vous et venez. Si vous croyez que Dieu vous aidera et qu'il exaucera la prière que je ferai pour vous aider à venir à lui, à le connaître, avancez maintenant. Ne voulez-vous pas le faire? Some golden daybreak, Jesus. How do we know it won't be in the morning? Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas demain matin? Battle, that battle you're fighting right now, won't you let it be won right now, baby? Let it be won right now, so you can shout the... Ce combat que vous menez en ce moment, ne voulez-vous pas qu'il soit gagné maintenant? Qu'il soit gagné maintenant, pour que vous puissiez crier victoire. Some... Just get right up, that's right. Make your way right up. Avancez-vous simplement. Très bien. Frayez-vous un chemin jusqu'ici. We'll shout the victory. Break through the moon. Some golden day. Won't you come now? While we're waiting? We'll help you here in prayer. A prayer of faith does a lot for us. Won't you come? Ne voulez-vous pas venir maintenant, pendant que nous attendons? Nous allons vous aider ici par la prière. La prière de la foi a une grande efficace pour nous. Ne voulez-vous pas venir? I'm persuading you to come accept the God of present time. Not just a God... that you go to a church and say, well, I joined the church, that God won't work. Je vous incite à venir, d'accepter le Dieu du temps présent. Pas simplement un Dieu qui consiste à aller dans une église et dire, eh bien, j'ai adhéré à l'église. Ce Dieu-là ne fera pas l'affaire. A Methodist God, a Baptist God, a Presbyterian God, a Pentecostal God, they won't work. Get the God of this Bible. A Pentecostal God will go out in the world, a Methodist God or a Baptist God or any other denominational God. But the God of this Bible will make you like Jesus. Un Dieu méthodiste, un Dieu baptiste, un Dieu presbytérien, un Dieu pentecôtiste, ça ne fera pas l'affaire. Recevez le Dieu de cette Bible. Un Dieu pentecôtiste ira dans le monde.
un Dieu méthodiste ou un Dieu baptiste ou tout autre Dieu dénominationnel. Mais le Dieu de cette Bible vous rendra semblable à Jésus. He sure will. His spirit will dwell in you and all your life will be changed. That temper, that malice, that unforgiving spirit, that thing, it'll canker your soul in a lost eternity. I'm just swinging forth a net now. It's up to you. Follow it in, won't you? Il le fera certainement. Son esprit habitera en vous et toute votre vie sera changée. Ce tempérament colérique, cette méchanceté, cet esprit qui ne pardonne pas, cette chose rongera votre âme perdue pour l'éternité. Je suis simplement en train de lancer un filet maintenant. C'est à vous d'y voir. Laissez-vous attraper, le voulez-vous? Move right out around the altar here. Many of you raise your hands back there. The people will let you up around their seats. Avancez-vous, placez-vous autour de l'autel ici. Beaucoup d'entre vous ont levé la main là derrière. Vos voisins de siège vont vous laisser passer. The Lord bless you, young man. While she's softly playing the music, here stands several around the altar. Seven souls that's come forward to stand around the altar. You know, seven is a perfect number to God. Perfection. The Holy Spirit's just come down on a person standing here just now. That's what I call the Holy Spirit, brother. Que le Seigneur vous bénisse, jeune homme. Maintenant, pendant qu'elle joue doucement la musique, plusieurs se tiennent ici autour de l'autel. Sept âmes sont venues se tenir autour de l'autel. Saviez-vous que sept, c'est un nombre parfait pour Dieu, c'est la perfection? Le Saint-Esprit vient de descendre sur une personne qui se tient ici, maintenant même. C'est ce que j'appelle le Saint-Esprit, mon frère. Now he's here to each one of you. Just be humble in your hearts. What if this is the last time you're ever going to stand around an altar? This is the last prayer you're ever going to say right now. Jesus is going to come. Maintenant, il est là, pour chacun de vous. Soyez simplement humble dans votre cœur. Et si c'était la dernière fois que vous ayez l'occasion de vous tenir autour d'un autel? Et si c'était la toute dernière prière que vous feriez maintenant? Jésus va venir. He might knock at your door before morning, you know. You got to go someday. And if he's a God of all, he's a God of history and he's a God of today. Il se peut qu'il frappe à votre porte avant demain matin, vous savez. Vous devrez partir un jour. S'il est un Dieu de tout, il est le Dieu de l'histoire et il est le Dieu d'aujourd'hui. He spoke to you, you've raised up here before him to meet him. You've come forward to meet him. He'll meet you, he's standing right here now. Just in your heart, confess all that you've done that's wrong. Il vous a parlé, vous vous êtes levé ici devant lui pour le rencontrer. Vous vous êtes avancé pour le rencontrer. Il va vous rencontrer. Il est ici maintenant. Seulement, dans votre cœur, confessez tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Say, God, be merciful to me, a sinner. I've done wrong, and I now confess with all my heart that I'm wrong. I want you to be merciful to me and forgive me of my sins. I'll serve you the rest of my day. Dites, ô Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur, j'ai mal agi et je confesse maintenant de tout mon cœur que j'ai tort. Je veux que tu aies pitié de moi et que tu pardonnes mes péchés. Je te servirai le reste de mes jours.
And let this little fire that's burning in my heart, little faith that made me come up here at this altar tonight, let it just catch way down deep in my soul. Yes. Let it catch right here now and something burn out that just tells me, yes, you live, Jesus, and I love you. Et que ce petit feu qui brûle dans mon cœur, cette petite foi qui a fait que je vienne ici à cet autel ce soir, qu'il puisse pénétrer tout au fond de mon âme, que ce feu se déclenche maintenant même et qu'il brûle ardemment en moi de sorte que je puisse dire « Oui, tu vis, Jésus, et je t'aime. » I'm going to see you on the scene in the next few hours. Amen. Doing things, great things. I'm so glad that I come forward when you spoke to my heart. Yes. I'm going to see you make cancers to leave the people. Yes. Heal the sick and the needy. Et je vais te voir rentrer en scène dans les prochaines heures pour accomplir des choses, de grandes choses. Je suis si content de m'être avancé quand tu as parlé à mon cœur. Je vais te voir débarrasser les gens des cancers, guérir les malades et les nécessiteux. Hear him return back testifying what God has did for him. A God of history who's raised up out of history and is the same today coming on the scene because he's coming this time to stay. His second coming. Let us pray now. You pray with me, each one of you. Les entendre revenir et témoigner de ce que Dieu aura fait pour eux. Ce Dieu de l'histoire qui est sorti de l'histoire. C'est le même aujourd'hui qui entre en scène. En effet, cette fois-ci, il vient pour rester. Sa seconde venue. Prions maintenant. Que chacun de vous prie avec moi. Dear God, I bring before thee just now these seven. The first night produced seven wandering stars. Jesus. You said in your precious word, no man can come to me except my Father draws him first. Jesus. And he that comes to me, I will in no wise cast out, but will give eternal life and will raise him up at the last day. Dieu bien-aimé, j'amène ces sept âmes devant toi maintenant. Le premier soir a produit sept astres errants. Dans ta précieuse parole, tu as dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Lord, that's your promise. And by an emotion, an action of conviction, these seven precious wandering souls has stepped forward tonight because they believe that the God that was spoke to the prophets, the God that spoke to the blind man, he lives yet today, and they step forward to meet him. Amen. Seigneur, c'est là ta promesse. Et par une émotion, un acte de conviction, ces sept précieuses âmes errantes se sont avancées ce soir, parce qu'elles croient que le Dieu qui a parlé au prophète, le Dieu qui a parlé à l'aveugle, il vit encore aujourd'hui, et elles se sont avancées pour le rencontrer. That same God who made the promise and met the leper on his own grounds, who met the woman with the blood issue at the river bank, who met death at the grave of Lazarus and turned him around, is the same God tonight who stands here to meet this spiritual death and turn him around. Ce même Dieu qui a fait la promesse et qui a rencontré le lépreux sur son propre terrain, qui a rencontré la femme à la perte de sang au bord de la rivière, qui a fait faire demi-tour à la mort quand il l'a rencontrée au sépulcre de Lazare. C'est le même Dieu ce soir. Il est ici pour rencontrer cette mort spirituelle et lui faire faire demi-tour. And say, take your hands from these who have come to confess me upon the wooing of my spirit. I'll give unto them eternal life and no man can take them from me. I'll raise them up at the last day.
et dire, « Retire tes mains de ces gens qui sont venus me confesser après que mon esprit leur a fait la cour. Je leur donnerai la vie éternelle, et personne ne peut me les ravir. Je les ressusciterai au dernier jour. » We thank you for them, Father. And we pray that they will remain faithful in your hands until death shall set them free. Nous te remercions pour eux, Père, et nous prions qu'ils restent fidèles entre tes mains jusqu'à ce que la mort les libère. When they shall enter into the joys of the Lord on that great day when the wedding supper is being set across the skies, that when the king comes out and says, you remember that first day of October 1958 at that little concrete tabernacle, you walked up and took me as your Savior. Quand ils entreront dans les joies du Seigneur, en ce glorieux jour, quand le souper des noces aura lieu dans les cieux, quand le roi viendra et dira, te souviens-tu du 1er octobre 1958 dans ce petit tabernacle en béton, tu t'es avancé et tu m'as reçu comme ton sauveur. I spoke to you. You were a sinner then, but now I saved you. And now you're mine. And you have eternal life. Now enter into the joys that I prepared for you from the foundation of the world. Grant it, Lord. They are yours now. We commit them to thee. In Jesus Christ's name, amen. Je t'avais parlé. À ce moment-là, tu étais un pécheur. Mais maintenant, je t'ai sauvé. Et maintenant, tu es à moi et tu as la vie éternelle. Entre maintenant dans les joies que j'ai préparées pour toi dès la fondation du monde. Accorde le Seigneur. Ils sont à toi maintenant. Nous te les confions au nom de Jésus-Christ. Amen. Now with your heads bowed, the audience, I'm going to ask each of you here at the altar, do you feel down in your heart now from the very depths of your soul that the little flame of faith that told you to come forward to the altar here to do this act that you have now done after raising your hands and walking forward? Maintenant que l'auditoire garde la tête inclinée, je vais demander à chacun de vous qui êtes ici à l'autel, sentez-vous dans votre cœur là, tout au fond de votre âme, que la petite flamme de la foi qui vous a dit de venir ici à l'autel, d'accomplir l'acte que vous venez d'accomplir, après que vous avez levé les mains et que vous vous êtes avancé. Do you feel that that little flame has begun to burn towards a real living faith in your heart? Sentez-vous que cette petite flamme a commencé à brûler et à devenir une vraie foi vivante dans votre cœur? And you now believe that Jesus has forgiven your sins and you're going to be His from now on. If you do, would you raise your right hand to Him, the ones around the altar? Croyez-vous maintenant que Jésus a pardonné vos péchés et que vous allez être à Lui à partir de maintenant? Si c'est le cas, voulez-vous lever la main droite vers Lui? Ceux qui sont autour de l'autel. Raise up your right hand if you feel like that Jesus has forgiven all your sins. The one around. Now there's two, three hands not up. I just keep a praying, everyone. Levez la main droite si vous sentez que Jésus a pardonné tous vos péchés. Ceux qui sont autour, maintenant, il y a deux, trois mains qui ne se sont pas levées. Maintenant que tout